Je vous présente quelqu'un qui écrit aussi à sa manière. Bien sûr. C'est Jean-Philippe. À sa manière, Dieu. Merci. C'est Jean-Philippe Vizini. C'est cette façon de me mettre en valeur. C'est la marque de la maison en même temps. Classe, il n'a pas fait Hippocagne. Je suis toujours très gêné parce que vous mettez tellement sur un piédestal. J'ai peur qu'après, là, les gens soient dessus après ça. Jean-Philippe Vizini a des choses à vous dire, oui, Nathalie Le Breton. Merci. Mais oui, parce que ma fille, voilà, on parle des enfants. Voilà, et donc, j'ai une fille voilà, qui a fait son premier babysitting. Oui, voilà, parce qu'on a voulu se faire un resto avec les voisins. Et donc, c'est ma fille de 15 ans qui s'est proposée pour garder leur fils de 3 ans. Voilà, c'est la première fois qu'elle faisait du babysitting. Mais bon, il faut bien un début à tout. On les a laissés tous les deux, ma fille de 15 ans, le petit de 3 ans, à la maison. On est parti au resto. Alors, pendant la soirée, j'ai quand même passé un coup de fil pour savoir si tout se passait bien. Allô, chérie, alors, tu lui as fait à manger? Vous avez mangé quoi? Elle, eh ben, je lui ai fait un biberon. Ah, c'est bien, avec du lait. Non, j'ai mis du coca et du jus de pomme. Je dis, mais du jus de pomme? Mais on n'a pas de jus de pomme. Tu l'as trouvé où, ce jus de pomme? Elle me dit, dans le placard du salon. Je dis, mais c'est pas du jus de pomme, c'est du whisky. Oh là là. Oh là 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 là. Et alors, le gamin, il a tout bu? Oui, 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 il a même voulu un deuxième biberon. Putain, mais non, oh là là. Et après, on a chanté des chansons. Ah ben, tu m'étonnes, après deux whisky coca, il devait être complètement pété, le gosse. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi? Il m'a demandé comment on fait les bébés. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Ben, comme je savais pas, j'ai tapé sur Google comment on fait les bébés. Eh ben, il y a plein de vidéos, c'est très bien expliqué. Oh là 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 là! Mon voisin qui me demande, alors ça se passe bien? Eh ben, impeccable, ils se sont descendus deux whisky coca et maintenant ils mettent des films porno. Bon, écoute chérie, écoute-moi, il a 3 ans, faut que tu lui lises des histoires. Elle, eh ben c'est ce que j'ai fait. Ah, bon, alors qu'est-ce que tu lui as lu? Eh ben, je lui ai lu ta feuille d'impôt, ça l'a bien fait rigoler. Je lui dis, bon, bah, montre-lui plutôt ton carnet de notes, tu verras, ça va bien le faire rigoler aussi. Voilà, tout ça pour dire, Nathalie Le Breton, que si on avait eu votre livre à la maison, eh ben, on n'en serait pas là. Voilà, voilà. Merci.